Nous avons sur le magazine Financier Investir, une émission que nous pour nous chaque samedi à compter de 4 heures et que nous sommes capables de dépendant de qui zone nous sommes, tant de tout, et parce que la radio transmet et Profin TV permet que nous sommes capables de sous écran et qui facilite l'université, parce que là, nous avons parlé de graphique extrêmement intéressant. Nous, je ne te promets pas, nous allons permettre que nous vivions ce qui est passé dans le sommet financier, particulièrement des interventions de la Banque Centrale. Nous allons regarder d'abord qui ça que. Quatre macroéconomiques l'intérieur. Nous allons regarder également dans le deuxième temps transfert yo, qui est important sur une grande économie nationale, comme il y a quoi de manière régulière, et dans qui zone y aller beaucoup plus, qui département recevoir beaucoup plus. Et nous avons fini avec ma chaîne Sarah, je me dis, la surprise que Banque Centrale a réservé nous et qui est extrêmement intéressant pour nous voir comment nous avons une insécurité affectée en pile. Bien bonjour à tout le monde. Je suis Erol Saint-Louis, directeur de la direction monnaie analyse économique et de la BRH. Bonjour tout le monde, je suis Jean-Marie Kaimit, responsable AI de la direction de recherche en économie et finances et assistant directeur de la direction monnaie et analyse économique. Bien, ce matin, on va essayer de décortiquer avec vous le cadre macroéconomique et je vais commencer avec la partie cadre macroéconomique. Monsieur Kaimit aura à vous présenter la posture de la politique monétaire dans ce contexte. Merci beaucoup, monsieur, et bonne présentation. Merci. Bon. De quel contexte l'économie haïtienne a évolué? L'économie haïtienne, justement, a été impactée par des chocs, tant au niveau international qu'au niveau national. Et c'est pour cela, dans la présentation, on va parler de l'environnement international et au niveau de l'économie internationale, qu'est-ce qu'on avait remarqué au tout début de l'année et même l'année dernière, et il y a eu une forte tension inflationniste au niveau international qui a été favorisée par une situation géopolitique et la situation qui s'est produite entre la Russie et l'Ukraine qui a entraîné un renchérissement des prix des matières premières et des produits de base et ce qui a entraîné une augmentation de l'inflation dans certains pays de la zone euro, des États-Unis et même en République dominicaine. Pour agir sur cette poussée inflationniste, les banques centrales de ces pays ont adopté une politique monétaire restrictive consistant à augmenter le taux d'intérêt, les taux d'intérêt directeurs. Et comme vous le savez, bon, en économie, quand la banque centrale augmente le taux d'intérêt directeur, cela entraîne un renchérissement du crédit, ce qui provoque un impact sur la demande intérieure, en particulier la consommation et l'investissement. Cette augmentation du taux d'intérêt pour combattre l'inflation va amener à un ralentissement de la croissance économique. On l'a vu aux États-Unis, la croissance économique s'est ralentie. Toutefois, ce qu'on a constaté à partir du mois de septembre, on a vu que l'inflation, il y a une diminution de l'inflation, ce qui a amené le président de la Fed, Powell, à réduire les taux d'intérêt. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, dans la zone euro, la République dominicaine et au Canada. Mais au niveau international, il y a toujours des inquiétudes à cause des tensions enregistrées au niveau du Moyen-Orient. Et la guerre d'Israël et Gaza et l'Iran qui risque quand même d'entraîner encore une augmentation des prix du carburant, ce qui aura un impact sur l'ensemble des pays. Au niveau national, on fait face à une
crise multidimensionnelle, principalement la situation sécuritaire. Cette situation sécuritaire qui entraîne des contraintes de libre circulation des biens et des personnes a entraîné un choc d'offres sans précédent et une augmentation de l'inflation. Au cours du mois de janvier, en début d'année, l'inflation oscillait autour de 1%. En février-mars, on est passé à un taux d'inflation mensuel de 3% et de 4,7%, ce qui a eu un impact justement sur la sécurité alimentaire. La CNSA, dans son rapport, a estimé que près de 48% de la population haïtienne, près de 50%, est en situation de sécurité alimentaire contre 44% en août 2023. Là, vous voyez que l'impact de cette situation, non seulement sur le pouvoir d'achat, mais également sur l'emploi, sur les entreprises, et on verra ça, ce qui va entamer la croissance économique. Les prévisions nous montrent que nous sommes dans la sixième année de croissance économique négative. Les prévisions réalisées, que ce soit par le Fonds monétaire, et le Fonds monétaire prévoit un taux de croissance négative d'environ 4% pour cette année. Or, nous savons que ce qui est important, c'est le PIB per capita. Parallèlement à cette croissance négative, on a également une augmentation de la population, ce qui nous montre la dégradation et ce qui confirme également l'analyse réalisée par la CNSA. Le PIB dans un pays est un élément important parce que non seulement c'est la création de richesses, ça permet justement à l'État d'augmenter ses ressources. Quand le PIB diminue, cela a un impact direct sur l'ensemble des autres secteurs de l'économie. Cette situation sécuritaire a eu un impact également au niveau du secteur bancaire. Comme le dira tout à l'heure Kaimit, le fait qu'il y a une diminution de l'activité économique, et cela a entraîné également une augmentation des taux de productifs au niveau du système bancaire. Maintenant, par rapport à cette situation, qu'a fait la Banque centrale? Je vais passer la parole à M. Kaimit pour présenter la posture de la Banque centrale par rapport à cette situation de contraction de l'activité économique. N'oubliez pas, la situation que nous vivons est extraordinaire. Nous sommes en train de connaître une période de croissance négative et d'inflation. Ce que les économistes appellent, nous sommes dans une période de stagflation. Arriver à résoudre ce problème, c'est un grand challenge. OK? OK, merci, directeur Saint-Louis, pour et votre présentation et la compréhension sur le cadre macroéconomique. Et comme vous pouvez le constater, qui est vraiment difficile. Et une sixième année de croissance négative, ou bien une sixième année consécutive, six années consécutives, effectivement, de baisse de la production nationale, donc c'est le synonyme de la destruction. Ça veut dire qu'en termes d'emploi et en termes de création de richesses, donc on est vraiment dans un carrefour vraiment difficile. Et cette situation, au niveau du contexte macroéconomique provoqué par la situation d'insécurité et l'instabilité sociopolitique, donc, a eu des conséquences très graves sur l'activité du système bancaire. Face à cette situation et qui ont entraîné la détérioration continue du climat des affaires, la Banque centrale, à travers cette panoplie de mesures, est obligée d'intervenir pour non seulement supporter ces institutions et leurs entreprises débitrices qui font face à cet environnement adverse,
mais également continuer à monitorer donc, ces instruments de politique monétaire qu'on appelle instruments de politique monétaire conventionnelle. Et donc, c'est pour cette raison, donc, pour aider ces institutions et leurs entreprises débitrices à faire face à cette situation, donc la Banque centrale à intervenir donc, à travers donc, des moratoires et la restructuration des crédits donc, à travers donc, notamment la circulaire 115. Donc, il y a une série de versions de la circulaire 115. Donc, la dernière en date, c'est celle de circulaire 115-6, effectivement, qui s'étale sur une période beaucoup plus longue. Et au-delà de ces interventions qui permettent d'atténuer donc, les chocs sur le système bancaire, donc, la Banque centrale, parallèlement, a évité de durcir donc, les conditions monétaires et en gardant donc, les taux d'intérêt directeurs inchangés. Et, par exemple, nous avons donc, les taux d'intérêt directeurs sur les bons BRH et, donc, à maturité donc, 7 jours, 28 jours et 191 jours qui sont restés inchangés à 6%, 6%, 8% et 11,5%. Et dans le même temps, donc, il y a un ensemble de programmes incitatifs qui ont été mis en place depuis 2013, à savoir donc, les programmes incitatifs pour croissance qui sont maintenus à date et toujours dans l'objectif de favoriser le crédit à des conditions préférentielles, à des secteurs qu'on identifie comme des secteurs porteurs. Par exemple, donc, il y a l'immobilier et les entreprises tournées vers l'exploitation, les zones franches, et l'agriculture. À date, il faut dire que donc, la dette cumulée, selon donc, les données du 30 septembre 2024, se sont établies à plus de 100 milliards de gourdes, avec des décaissements allant jusqu'à 19 milliards de gourdes répartis donc, entre les différents secteurs. Donc, à savoir, nous avons le logement qui a donc, la plus grande part, et soit donc, 28%, donc, suivi des entreprises, surtout donc, des zones franches, avec 27% donc, et 17% donc, pour les entreprises tournées vers l'exploitation, pour ne citer que cela. Alors, il faut dire que dans ce contexte, donc, la Banque centrale continue d'accompagner le système pour faire face à ce choc. Et compte tenu donc, de la nécessité de sortir de ce carrefour, de ce marasme économique, donc, la question de relance est nécessaire. C'est dans ce contexte qu'elle a déjà réalisé un diagnostic de la situation en analysant, d'ailleurs donc, on a fait beaucoup de réflexions à ce sujet, qui nous permettent d'analyser donc, l'impact de la crise sur les institutions financières et les entreprises débitrices, avec des propositions et des recommandations au niveau de certains mécanismes d'appui financier, dont les implémentations devraient être effectivement réalisées et dans un cadre, global de reprise économique, avec l'implication des différentes parties prenantes. Parce que là, il s'agit vraiment donc non seulement d'un impact de grande envergure, mais il s'agit d'un choc qui attaque tous les compartiments de l'économie. Donc ça veut dire que donc, la Banque centrale elle seule ne pourra pas vraiment donc, venir au bout effectivement de ses conséquences. Donc l'accompagnement des acteurs donc, est nécessaire. Et de l'autre côté, donc, la Banque centrale donc, est en train de réfléchir sur donc, la révision du programme pour croissance avec un accent particulier sur donc, les PME qui sont porteurs de croissance de la création d'emplois, avec aussi donc, la circulaire 113 et qui définit donc, un mécanisme de financement à l'agriculture et à l'agro-industrie, et, donc, qui pour nous est très important effectivement pour l'économie haïtienne. C'est dans un contexte de relance. Il est important de viser donc les PME, les MPME, et qui sont effectivement des entreprises et très, très effectivement importantes en termes de création d'emplois et de la croissance.
Alors, et la Banque centrale agit sous deux volets. Alors, le premier volet, donc normalement, c'est concernant l'ensemble des programmes d'accompagnement, l'ensemble des mesures pour aider à atténuer les chocs. Mais de l'autre côté, et Banque centrale, en tant qu'institution qui est responsable de la politique monétaire, dispose d'un ensemble d'instruments et qui permet d'accompagner donc, le système en cas de reprise, par exemple. Okay, donc, c'est pour cette raison. Donc, elle analyse de près la situation pour voir de quelle mesure, effectivement, donc, l'accompagnement peut être fait aussi à travers des instruments de politique monétaire. Et dans l'espoir, effectivement, que donc, la situation socio-économique et sécuritaire et seront plus ou moins atténués, effectivement, ce qui donc, permet d'ouvrir donc, la voie à une reprise normale. À ce moment, donc, les conditions monétaires donc, pourraient effectivement, dans une certaine mesure, réajuster. Et c'est vrai qu'on fait face à une situation inflationniste importante. Et c'est là, et peut-être, effectivement, donc la question d'arbitrage rentre en jeu, puisque normalement, et en situation normale, avec une inflation de 30%, la Banque centrale devrait continuer à resserrer les conditions monétaires. À l'instar, effectivement, des banques centrales des autres pays, effectivement, qui l'ont fait pour amener donc, l'inflation dans une zone plus ou moins acceptable. Et notre cas est un petit peu exceptionnel parce que non seulement on fait face à une forte inflation, mais de l'autre côté, donc, on a 6 années consécutives de croissance négative. Ça veut dire que un relâchement pour accompagner la reprise donc, permet effectivement d'ajuster donc, les instruments pour pouvoir non seulement faciliter donc, la relance, mais en même temps pour ne pas créer effectivement plus de tensions en termes d'instabilité macroéconomique. Donc voilà en gros donc, ce que nous, à la Banque centrale, nous voulons présenter en tant que cadre macroéconomique, donc, la posture de la politique monétaire par rapport au contexte. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Louis et M. Kayemit, pour la présentation. Maintenant, on va faire place à quelques questions dans le public. Donc, vous sollicitez la parole, vous vous présentez et vous posez la question. D'accord. Je demande à une hôtesse de bien vouloir faire circuler le micro pour nous, s'il vous plaît. Non, l'hôtesse est dehors. Merci, d'accord, pour votre bonne volonté. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Et maintenant, ça va? Ça va maintenant? Oui, ça va. Okay. Bon, tout d'abord, je tiens à souhaiter au groupe Poissance un joyeux 30 ans, bon, qui n'est pas 30 jours. Et également, je tiens à féliciter les deux intervenants de la Banque centrale pour la qualité de ces interventions qui est très enrichissante. Compte tenu du cadre macroéconomique et l'ensemble des mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale, étant donné que la politique monétaire, c'est un thème qui me passionne, car mon travail de fin d'études et se porte sur politique monétaire et croissance économique, alors ma préoccupation est la suivante. Selon vous, quel est le taux de croissance moyen dont Haïti a besoin afin de renouer à la croissance économique? Merci beaucoup. Je pourrais dire à la récupération économique, parce que nous faisons face, n'oubliez pas que
La dernière année de croissance économique remonte à l'année 2017-2018. Ce qui signifie que il faudrait au moins en moyenne un taux de croissance de 4% pour récupérer, c'est-à-dire retrouver le niveau qu'on avait en 2019. Vous voyez l'effort que ça prendrait. Bon, et là, et j'ai vu dans le budget que le taux de croissance attendu pour l'année 2024-2025, 1%. J'étais vraiment étonné. Je trouve que le ministère des Finances est trop pessimiste parce qu'il y a tellement de travaux à réaliser. Avec 3 années de croissance négative, je pense que n'importe quel effort qui a été fait, même à 50%, essayer de récupérer à 50%, on aurait un taux de croissance supérieur à 1%. Parce que j'ai fait la simulation, j'ai essayé de voir, je me dis que les rues sont défoncées, problème au niveau du secteur agricole. Si on se mettait au travail pour faire tout ça, c'est sûr qu'on aurait un taux de croissance beaucoup plus élevé. Bon, sans faire l'avocat du diable, hein, je dois dire que le principal concerné est là. Donc, il pourra nous dire de quoi il retourne. Voilà. Pourquoi le 1%? Et puis, nous allons faire place à monsieur pour sa question. Bon, j'ai dit bonjour. Oui, ça va. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je suis professeur Jean-Eugène Pierre-Louis, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'Haïti à Port-au-Prince. Alors, je remercie en particulier les dirigeants du groupe Croissance pour cette initiative qui continue à faire son chemin dans notre univers socio-économique et qui facilite aussi les étudiants à se familiariser avec les mécanismes pratiques et fonctionnels de notre système économique et aussi informer le grand public de ce qui se passe au sein de notre système économique également. Alors, j'ai quelques petites préoccupations. Je remercie, je félicite les grands cadres de la BRH et notamment professeur Kaimit qui est professeur à la FDSE. Je ne sais pas si le directeur un professeur aussi à la FDSE, j'espère. Mes excuses. Alors, ma préoccupation, premièrement, je ne suis pas rassuré sur le au moment où nous parlons, le taux exact de l'inflation. Peut-être j'ai mal écouté, j'ai entendu 30%, mais je ne sais pas effectivement est-ce que c'est le taux actuel. Premièrement, ça c'est peut-être c'est pas une question, mais juste un détail. Mais pour l'essentiel, ce qui me préoccupe, c'est la situation des entreprises. Maintenant, qui sont, nous savons que sans les entreprises, il n'y a pas d'économie. C'est l'entreprise qui fournit les biens et les services, qui les distribue. C'est l'entreprise qui crée les richesses. Donc, si on parle de la croissance, on parle de la reprise, on parle de taux de croissance, on parle de l'amélioration de la situation et dans un avenir, je ne sais pas. Et à court ou bien à moyen ou à long terme, je ne sais pas. Mais je vois que mon ami, le professeur Kaimit, a parlé presque au conditionnel. Et sans fixer, sans situer la question, soit à court, je ne parle pas de long terme, ça dépend des concentrations qu'on entend par long terme ou moyen terme, mais plus parle sans fixer à court ou bien à moyen terme. Mais quelle est aujourd'hui la situation des entreprises en termes de délocalisation, en termes de celles qui restent sur le terrain, qui essaient d'exister, quelle est la situation au niveau de la BRH? Comment on le voit, surtout les petites, on parle de micro, petites et moyennes entreprises, mais les entreprises en général, au moment où nous parlons actuellement, dans ce contexte, parce que M. O'Farrell a souligné un point important pour les étudiants de bien comprendre, quand on parle de confiance dans le monde entier, dans la gouvernance économique, c'est la confiance qui est la clé. Si les investisseurs actuels ou potentiels ne sont pas en confiance, ou du moins n'ont pas d'espoir de reconquérir la confiance dans le système, est-ce que véritablement on peut parler de l'amélioration, soit à court ou à moyen terme? Je vous remercie.
Merci, et merci doyen, donc, pour votre intervention. Je crois que c'est l'élément clé. Et quand on parle de croissance, ça revient effectivement à des entreprises effectivement, qui sont réparties en différents secteurs, en différentes branches d'activité, et qui vous donnent ce qu'on appelle donc la valeur ajoutée, et qui effectivement sont des éléments de croissance de la richesse dans l'économie. Alors, la Banque centrale a réalisé un travail, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, une analyse de l'impact de la crise sur les institutions financières et leurs entreprises et débitrices, et pour voir effectivement donc, et quel est l'impact de ces chocs et comment effectivement, donc, on peut sortir, donc, aider ces entreprises à sortir effectivement, de cette situation difficile. Alors, et comme vous le savez, donc la Banque centrale, quand elle intervient, donc elle intervient généralement donc à travers donc le système bancaire et le système effectivement de quel contrôle. Et lorsque elle doit intervenir pour aider, donc il y a des canaux bien clairs effectivement. Mais l'impact de la crise qui affecte donc l'ensemble du système, donc va au-delà de effectivement de ce qu'on pourrait appeler de la capacité de la Banque centrale. Parce qu'il y a des entreprises qui se trouvent dans des zones à risque et qui ne peuvent pas effectivement fonctionner et qui ont des dettes envers des banques. Et le retour à la normale des activités demande vraiment donc, l'intervention au plus haut niveau. Elle demande beaucoup d'actions pour pouvoir effectivement assurer que non seulement donc, les entreprises peuvent ouvrir leurs portes, mais en termes de circulation des biens et services, donc on aura vraiment donc la possibilité de dire que voilà donc on a une économie et qui fonctionne normalement. C'est un indicateur important lorsque par exemple vous avez une certaine fluidité au niveau de l'espace où les agents donc les entreprises donc les individus peuvent circuler normalement librement. Vous voyez donc d'ailleurs, la Banque centrale l'a dit à travers ce document. Donc, on a besoin du support des autorités, du support effectivement des acteurs pour pouvoir effectivement donc, aider à sortir l'économie de ce marasme. Donc, c'est un point important. Donc, en ce qui concerne l'inflation, donc, donc, la dernière date, je crois que c'est le mois d'août, donc c'est autour de 29%. Donc c'était 30%, mais donc il y a un petit ralentissement donc et selon donc les dernières statistiques de l'IHSI, qui c'est l'Institut des statistiques et d'informatique, qui publie régulièrement donc les statistiques. Bonjour à tous et à toutes. Bon, nous allons parler de transferts, évolution ces dernières années, placement dans l'économie. On va faire quelques comparaisons avec les pays de la zone. Et puis, on a regardé comment le marché a évolué récemment suite à la circulaire que la Banque centrale a sorti. Et puis, on a regardé quelques perspectives tout, pour transférer. Et surtout par rapport à ce qui ça nous a joint en termes de financement de l'économie, en termes d'investissement que Diaspora est capable de faire. D'accord, donc on va démarrer. Alors, sur les 10 dernières années, le transfert était toujours en augmentation. Même avant, il était toujours augmenté. Donc, le transfert a toujours augmenté, il y a une bonne dynamique. Et sauf en 2020, il était baissé parce que à cause de Covid là, Covid là, t'es frappé pour l'économie américaine, non, restrictions, pas d'activité, tout ça. Donc nous comprenons une baisse là. Et puis il a rebondi en 2021, on fort taux de croissance grâce à Edward Eltaler et surtout. Projet que le gouvernement américain a mis en place pour aider les ménages aux États-Unis. Et donc l'agence a été boosté le transfert de deux manières. Les gens qui sont aux États-Unis ont été comme un pile. Et les gens qui vivent en Haïti, qui sont petits, qui sont américains,
te recevoir en pile comme tout. Donc, être là, tu es bénéficié de deux façons. Il t'a boosté transféré de deux manières en 2021. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, l'effet saillant sur les transferts, nous avons un flux annuel. Alors, sur 10 dernières années, nous avons un flux annuel de 3,1 milliards de dollars. Comme je dis tout à l'heure, nous avons une forte augmentation en 2021-2022 à cause du programme que le gouvernement américain a mis sur place là pour les ménages. Transfert offert environ 19% du PIB nominal. Pays de provenance, c'est États-Unis, 73%. France, 6%. Canada, République dominicaine, Chili. Mais dans la classe, non, j'en mettais là, c'est comme ça, classement. Et cependant, ça c'est pour 2023. Nous avons remarqué que, en fait, Chili vient loin avec la République dominicaine. Tandis que avant, ouais, 4-5 ans de ça, Chili était plus devant. Le classement Chili était plus important. Ça, c'est parce que à cause de dernières vagues, ça, en pile monde Chili, nous connaissons aller aux États-Unis. En pile monde Chili, il y a des gens de République dominicaine, etc., il y a des gens du Brésil. Donc ça vient faire qu'on n'a pas perdu le transfert, mais disons, on vient jouer un transfert sorti. États-Unis viennent augmenter. Pour les États-Unis, on a augmenté plus. Pour les États-Unis, c'est toujours plus important. Ils viennent juste on plus augmenter et puis Chili baisser. Alors, la distribution géographique des transferts en termes de paiement, donc plus transferts est dans l'Ouest européen. Et puis après la Tibonite. Bon, nous constatons que l'Ouest dominait. Mais l'Ouest dominait dans toute bagaille. Tout ça qui a fait, tout ça qui a brassé, c'est dans l'Ouest. Donc, paiement, tout transfert qui a payé dans le pays, c'est dans l'Ouest qui est payé. Donc, ça confirme peut-être tout que dépenses qui a fait, c'est dans l'Ouest qui a fait tout. Prochain slide. Alors, les transferts et relevés de transactions internationales, ces transactions internationales, donc il concerne les relations entre l'économie haïtienne et le reste du monde. Et donc, dès qu'on parle de relations économiques entre l'économie haïtienne et le reste du monde, on voit les flux de la balance des paiements. Donc, tableau, ça a montré différents flux, balance des paiements, les plus importants, et les transferts. Pour voir que les transferts, ce tableau confirme que les transferts, c'est flux qui est plus important dans la balance des paiements. Donc, balance des paiements, ça veut dire que vous avez des relations économiques avec les reste du monde, vous faites des paiements, vous recevez des paiements. Et la balance des paiements présente, c'est un tableau qui présente les flux de ces paiements-là au cours d'une période donnée. Alors, les transferts, c'est eux qui dominent la balance des paiements, c'est eux qui sont plus importants. Après, on gagne les exportations de biens et services. Après, on gagne les dons, on gagne les investissements directs prenaient, mais ça n'est pas vraiment très important. Ce qui est important, c'est transfert et exploitation de biens et services. Alors, exploitation de biens et services, biens et marchandises, services. Services nous exportés plus, c'est services touristiques. OK? Et maintenant, pour l'exploitation, on va me préciser que il faut que nous enlever normalement la réexploitation, c'est-à-dire bien que l'industrie assemblage retourne, que recevoir et retourne, ça va bailler lieu à un paiement, ok? Donc on ne peut pas retirer, mais même si nous retirons, l'exploitation bien servie a toujours été en deuxième position. Donc voilà, ça présenter différents flux de la balance des paiements et montrer que transfert, c'est les flux les plus importants. Et voilà. Maintenant, les transferts de la diaspora et l'économie haïtienne sont une série de slides qui vont montrer nous comment transférer lié dans l'économie. Hein? Vraiment. Premier, là, c'est que
du point de vue de, du secteur externe, les transferts en bleu permettent de couvrir quand même, permettent de couvrir le déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre exportation et importation. Donc, ils permettent de couvrir le déficit commercial. Ouais, sur 2014 à 2024, pratiquement, bas en bleu là, qui s'est transféré à l'extérieur à l'autre là. Donc, c'est le premier aspect de transfert pour l'économie haïtienne. Prochain, s'il vous plaît. Maintenant, slide ça a montré évolution transfert. Alors, transfert de, sur 10 ans, de 2014 à 2024, et puis et évolution de l'économie sous même période-là, donc la croissance du PIB réel. Bon, coupe ouais et coupe PIBA, pour pente descendante, c'est-à-dire l'orienter comme ça, la descendre. Ce qui t'avait dit que transfert pas favoriser la croissance économique. C'est ce que je dois dire. Et transfert pas. Moi-même, ça me dit, c'est que l'économie n'a pas suffisamment profité de transfert. C'est ça. Près de 3 milliards, plus 3 milliards à rentrer dans l'économie, 3 milliards, c'est quand même quelque chose. La question, c'est pour qui ça, malgré ça, on fait moins de 3 milliards sous 10 ans, pour qui ça, ou prenez croissance. Et gagner même croissance négative sous 5 ans. Bon, il y a une pile de discussions qui a fait, et situation pays, etc., etc. Mais on a eu quand même des périodes qui n'ont pas trop troublé. D'accord, si on prend de 2014 à 2018-19, c'était relativement calme. Donc, il y a une question à se poser, est-ce que l'économie haïtienne profite vraiment des transferts? Et en tant qu'économiste, ma réponse c'est que, en fait, les transferts sont dépensés dans l'économie, c'est Yovine Boussa, mais ils sont dépensés majoritairement sur des produits importés. Maintenant, la question c'est pour qui ça, ces produits importés qui plus cyclé dans l'économie, hein? Mais c'est parce que c'est eux qui sont plus rentables par rapport à la production. Et l'investissement se fait surtout dans les produits importés. Maintenant, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ça c'est un tableau qui présentait les transferts. Transfert, investissement direct, PIB et investissement total. Alors, pourquoi, en fait, là, nous faisons comparaison par rapport à une série de pays. Nous voyons que tout pays, République dominicaine, Jamaïque, Belize, Costa Rica, El Salvador, c'est des pays, Guatemala, Honduras, c'est des pays qui reçoivent un pile transfert, mais c'est des pays qui ont PIB élevé. Élevé, en tout cas, par rapport à Haïti. Et puis, la plupart d'entre eux, sauf Jamaïque et deux, trois autres, ils ont gagné aussi de flux d'investissement direct importants. C'est-à-dire, ils recevoir investissement de l'étranger. Mais c'est des pays tout, côté que investissement total là, important. Donc, c'est des pays. Donc, qui transfère, ils recevoir plus de transfert que nous. La plupart là. Sauf Jamaïque, nous recevoir pour le même transfert que Jamaïque, mais depuis le Dominicain, nous recevoir 10 milliards. Nous recevons 4. OK? Et
aucun autre pays, Costa Rica a reçu un pile transfert, mais l'obgade pipe Costa Rica, ouais, quand même, c'est autour de plus que 80 milliards. La République dominicaine, c'est plus que 120 milliards. Ça t'avait dit, donc, pays au recevoir transfert, mais pas forcément. Ils recevoir transfert, mais il y a une dynamique aussi dans l'économie qui permet de croître. Et ce n'est pas le transfert là qui est vraiment déterminant la donne, c'est surtout l'investissement local. Et donc, les transferts viennent tout, ou j'ai l'impression que transfert ça a eu, dépensé dans des produits qui sont faits dans le pays. Et ça a encouragé la croissance économique dans le pays. Donc, prochain slide. Alors, voilà les commentaires concernant dernier slide, nous théoria. Donc, les investissements directs représentent une faible proportion dans l'investissement total dans ces pays-là. Les investissements directs représentent une faible proportion. Ça veut dire que lorsqu'on prend investissement total, comparé à l'investissement direct qui est fait, ou investissement direct, comparé à l'investissement total qui est fait dans le pays ça, c'est l'investissement direct, c'est pas le plus important. Ça veut dire que dans le pays ça, on investit. C'est très important. Il y a une dynamique d'investissement. Donc, ça veut dire que l'épargne est significativement élevée pour favoriser l'investissement national. Il y a une dynamique interne qui soutient la croissance. Mais dans le cas d'Haïti, vous avez les investissements directs sont faibles, l'investissement global est faible. Il est très proche d'ailleurs de transferts. C'est autour de 2 milliards pour 2023. Donc, l'investissement global est faible. Il faudrait peut-être qu'on pense à une stratégie de stimuler l'investissement dans l'économie, hein, mais en y intégrant, en prenant en compte l'investissement direct qui pourrait venir de la diaspora. Alors, justement, impact possible de la diaspora. Donc, nous l'avons dit, les flux d'investissement direct sont très faibles en Haïti ces 10 dernières années. Le pays n'attire pas les investisseurs étrangers. Mais est-ce que ces investisseurs étrangers seulement, est-ce que les investisseurs locaux sont motivés tout? Il n'y a pas d'incitation non plus. Hein? C'est pas... Maintenant, il faut savoir que les motifs des transferts sont différents de ceux des investissements. Les transferts sont faits pour aider, mais l'investissement direct est fait pour, évidemment, rentabiliser en capital, acquérir en actif physique. Il existe des investissements de la diaspora dans l'économie, dans quelques secteurs. Nous n'avons pas les données à la Banque centrale. Nous savons que ça existe. Et nous étudions la possibilité de couvrir ça, de mener une enquête là-dessus. Mais il faut savoir que dans la construction de logements, les diasporas sont présents à travers le pays. Okay, ils construisent leur maison. Dans le nord, il y a quelques investissements qui ont fait avec la diaspora. Je pense que qu'on nécessite pour faire une enquête nationale sous investissement diaspora dans l'économie. C'est-à-dire, vous pensez qu'il faut créer un bureau spécial qui traite des investissements diaspora. Bureau ça, et en plus du code d'investissement, je pense qu'au Cabaret diaspora, on a des avantages particuliers. Et puis, créer carrément une fenêtre diaspora, un couloir diaspora. Et voilà. Maintenant, on parlait des transferts, donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment sur les transferts et avec le marché d'échange? Donc, vous savez que le marché des transferts et le marché d'échange sont interconnectés. Madame Malbranche l'a dit, l'offre
de devise du marché d'échange vient essentiellement des transferts. Alors, un petit survol sur le marché des transferts. Nous avons, au niveau des acteurs, nous avons 8 maisons ou agents, mais dont 4 sont liés à des banques. Mais sauf que parmi les 8, je crois qu'une transfert, ce n'est pas un agent. Une transfert, c'est vraiment une entreprise propre qui n'est pas vraiment affiliée, qui va distribuer pour l'autre, parce que c'est lui-même qui fait affaire par là. Et puis, vous avez un nombre important de sous-agents. Alors, le classement 2023, Unitransfer occupe la première place, après vient CAM, puis Soch Express et Capital Transfer. Qu'est-ce qui s'est passé à la Banque Centrale récemment sur les 3 dernières années? C'est qu'on a pris des mesures pour renforcer la formalisation du marché parce que l'interconnexion entre le marché d'échange et le marché de transfert avait fait que on sentait une sorte de dérive, c'est que on sentait que le marché informel d'échange, à cause de justement des mécanismes du marché des transferts, prenait trop d'importance. Donc, on a pris des mesures pour réduire le poids de l'informel et donc avoir plus de formalisation, ce qui fait qu'actuellement, la majeure partie des dollars issus des transferts est négociée avec les institutions financières. Et puis, on a décidé de le paiement en goudes aussi. Madame Malbranche l'a expliqué. On pouvait payer en dollars, il faut avoir des dollars. On n'a pas de dollars. Après COVID, déjà avant COVID, les flux de visiteurs diminuaient un peu. Okay? Il y avait quand même il y avait des fois des ratés de cash. Mais après COVID, ça s'est balavé une grave nette. Et donc, tout visiteur par entrée, ou gagnant actuellement, c'est comme si vous gagnant, il y a une baisse de 80% de flux de visiteurs. OK? Et quand vous avez gagné, par exemple, 500 millions de dollars qui passent dans la balance des paiements par l'entrée des visiteurs, là, autour de 80 et 100 millions cash. Donc, ça va en pression sous cash là. Et en Haïti, le cash circule dans l'économie, mais qu'on fuite tout. S'il t'a prêté, circule seulement, pas de problème. Mais qu'on fuite à travers le commerce avec la République dominicaine. Donc, cash dollar après aller tout. Ce qui baille problème sérieux, c'est qu'on n'est pas capable, ou vient pas les moyens pour payer transfert en dollars. Pas les moyens, pas les dollars. Sous pas les dollars, on n'est pas capable de payer en dollars. Et donc, pour les sous-agents, ils ont commencé à fixer tout par eux pour payer. Et donc, la Banque Centrale a décidé de faire le paiement en gold. Ça permet de protéger les bénéficiaires, faire face à la rareté de dollars cash là. Et puis, on a conservé quand même la possibilité que les gens qui reçoivent dollars ou qui ont dollars, moyennant que le transfert a fait son compte bancaire. Mais je sais aussi que là, il y a un petit problème. Tirer cash là, toujours des problèmes parce que pas gagner cash dans l'économie haïtienne. Et ça, mettez-vous bien en tête, ça va durer longtemps. Le problème cash dollar, ce n'est pas qu'on va sauter là-dedans. À moins que tu as fait, en gros, tu as joué par exemple, Banque Centrale, tu as joué 5, 6 milliards ou 10 milliards qui tombaient sous compte libre, ou tu as joué un bail, parce que tu n'as pas les moyens pour résoudre le problème ça tout de suite. Et puis, il fallait aussi lutter contre le blanchiment, parce que plus de transactions faites dans l'informel, on n'a pas les contrôles rien. Tandis qu'avec le formel, on est capable de contrôler comment la transaction est faite. Prochain slide, s'il vous plaît.
Alors, la conclusion et perspective, en 2024, les transferts ont augmenté de 12%. 12% en 2024, on a eu un taux en 2023, je ne me rappelle pas, c'était moins que 12%, mais c'était un taux aussi à deux chiffres. Donc, c'est intéressant. Il y a une raison, ces flux, ces programmes, programme Biden, non, et l'autre, évidemment, mon tour continue à aller à différents moyens. Et puis, problème, il n'y a pas que problème Biden, il y a problème Sato, problème écran. Alors, on a une hausse de 12% prévue en 2024. Et non, on aura en 2024. Maintenant, en 2025, les transferts vont augmenter, mais l'augmentation sera inférieure à 12%. Mais l'augmentation sera, l'augmentation a importante quand même, significative. Et puis, alors, maintenant, ils avaient les perspectives toujours sombres pour les flux d'investissement direct dans le pays. Perspectives toujours sombres. Bon, c'est même perspective surtout pour l'investissement d'une manière générale, l'investissement local aussi. Et perspectives sombres aussi, je les dis, pour les flux de visiteurs, dont visiteurs de diaspora. Donc, pas pour recevoir un peu de monde. Voilà. Mais la balance des paiements ne sera pas perturbée, à moins que menace de grands conflits au Moyen-Orient se concrétise. C'est-à-dire, si tu as un gros problème et que le prix pétrole a augmenté en pile, dépassé 100 dollars, 150, 170, autour de 180, là nous avons un problème, nous avons un problème balance des paiements. Il est possible que l'IBA ait souci au niveau de balance des paiements. Et puis la diaspora. Alors, la diaspora est présente à travers les transferts, à travers les flux de visiteurs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut formaliser et renforcer la présence de la diaspora à travers les investissements, l'investissement direct. Merci en plus. On va vous présenter les résultats de l'enquête sur l'impact de l'insécurité sur le secteur réel en considérant les madame Sarah du département de l'Ouest. Cette présentation se déroulera autour de 50 points. Après l'introduction, on va présenter normalement cette association-là, le Rassemblement Madame Sarah d'Haïti, RAMSA. Ensuite, s'en suivra la présentation de la méthodologie de réalisation de l'enquête qui permettra d'aboutir aux résultats avant de conclure. Tout d'abord, et il faut mentionner que cette enquête menée par la BRH avec le concours inestimable de Madame Sarah a été réalisé dans un contexte assez difficile, marqué par des crises, des chocs sociopolitiques, notamment sécuritaires, qui ont entravé pratiquement l'activité économique et a touché tous les secteurs. Les madame Sarah n'en ont pas été exemptées. La perturbation de leurs activités quotidiennes n'a pas été sans impact, je peux dire, et sur la situation économique, malgré qu'on assiste, et depuis surtout sur ces deux derniers, disons sur l'exercice qui vient de s'écouler, à une stabilité du change et à un financement monétaire nul sur l'exercice qui s'est terminé au 30 septembre 2024. Normalement, on constate jusqu'à présent une inflation élevée. Donc, dans cette conjoncture-là, on se dit que cette inflation-là a pour cause principale les coûts additionnels que subissent les commerçants et les producteurs en fonction du blocage des axes routiers
qui est la conséquence principale de l'insécurité que nous vivons. Les impacts, et Madame Sarah aussi, ont subi et subissent beaucoup les contre-coups de cette conjoncture actuelle. Donc, on a parlé de Madame Sarah, ok? On a parlé de Ramsa. Qui sac Madame Sarah? Peut-être pas de monde là qui pas de maman, ou ma tante, ou grand-mère qui était Madame Sarah. Madame Sarah, ça y est, c'est monde ça y est qui aide nous, qui a pris manger que le producteur agricole l'a fait dans la province, traverser route avec eux, des fois sur gros camions, mener pour nous dans divers marchés que nous conjoignons, surtout grand marché, quoi des boussales et autres, qui viennent vendre dans Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. Mais Mounsayo, depuis longtemps, ils ont minimisé l'importance dans la société. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas mis vraiment valeur sur eux par rapport avec ça et affaire et qui est vraiment important pour l'économie haïtienne. Donc, c'est la première fois que nous avons une association qui regroupe qui voulait mettre en valeur et secteur ça qui est important, j'en se dis là, pour l'économie. Donc, le RAMSA, qui est le rassemblement de Madame Sarah d'Haïti, est cette structure sociale à but non lucratif, apolitique et non religieuse, créée le 10 décembre 2018. Cette association a pour mission d'organiser et d'accompagner ses membres pour une modernisation du commerce. C'est une association qui regroupe plus de 10 000 membres à travers tous les départements du pays. Comme Sarah l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être un seul côté que Redgrammaire française nous a changé, que nous dit que le féminin emporte sur le masculin, parce que c'est une organisation qui formait plus de 88% de femmes et le reste des hommes. Donc, c'est comme je l'ai dit tantôt, ils jouent un rôle crucial dans l'économie informelle, laquelle est équivalente à plus de 30% du PIB. Donc, Kounyala n'a pas assez, si nous faisons enquête, il faut nous connaître quelle méthodologie nous avons employée pour nous faire enquête là. Kounyala m'a passé la parole à collègue moi, Madame Léon, qui a entretenu ce point ça. Merci Madame Edouard et bonsoir à tous. Bon, je vais vous présenter d'une part la méthodologie utilisée pour la réalisation de l'enquête et d'autre part les résultats. L'enquête auprès des représentants de Madame Sarah a été réalisée par la BRH dans le but d'évaluer l'impact de la dégradation des conditions sécuritaires sur le fonctionnement de leurs activités. Elle couvre la période qui va de janvier 2023 à juin 2024. L'ensemble des représentants des Madame Sarah a constitué l'univers statistique. En fait, pour ne pas porter de confusion, ce n'est pas les Madame Sarah, l'unité statistique, mais plutôt un représentant des Madame Sarah. Ainsi, un échantillon de 25 représentants a été constitué par une méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée par quota. Cette méthode consiste d'abord à regrouper l'ensemble, le département de l'Ouest en strates. Chaque commune représente une strate et un tirage d'un représentant des Madame Sarah a été fait dans chaque strate. Un questionnaire rédigé en créole a été utilisé pour la collecte des informations. Ce questionnaire est réparti en 5 catégories, à savoir les caractéristiques sociodémographiques des représentants, leurs activités économiques, les conséquences de l'insécurité sur leurs activités, leur inclusion financière, ainsi que leur victimisation par les gangs. En outre, des informations qualitatives ont été recueillies lors de groupes de discussion. La saisie des données a été réalisée par l'utilisation de l'outil en ligne SurveyMonkey et le traitement et l'analyse des données ont été faits en Excel.
Là maintenant, je vais vous présenter les différents résultats qu'on a obtenus. Les représentants des Madame Sarah sont à 88% de sexe féminin. Comme mes collègues l'ont souligné, c'est peut-être l'un des rares secteurs en Haïti où le sexe féminin domine. Alors que 36% d'entre eux sont mariés, 32% sont encore célibataires et 12% vivent en concubinage. Et par ailleurs, plus de la moitié des représentants des Madame Sarah ont au plus 44 ans, c'est-à-dire que c'est une population assez jeune. Et 40% sont âgés entre 45 et 54 ans. Toutefois, seulement 8% des représentants ont plus de 55 ans. 80% des répondants ont au moins un enfant. Et tous les représentants des Madame Sarah ont atteint au moins le niveau scolaire secondaire. Là, on passe à un panorama des activités des Madame Sarah. L'activité principale des Madame Sarah consiste en l'achat et la revente des marchandises, notamment les produits alimentaires comme le riz, le pois, les vivres alimentaires, les mangues et autres fruits, les légumes, la viande, les céréales, le lait, pour ne citer que cela. Ces commerçants vendent aussi des articles et vêtements de prêt-à-porter, habillements, tissus, chaussures, des produits cosmétiques ainsi que des produits artisanaux. Certains Madame Sarah s'adonnent également à d'autres activités comme la préparation et transformation des produits. Par là, on entend confiture, mamba, gelée, engrais, son de blé, etc. Selon la majorité des représentants des Madame Sarah, le riz, tant local et importé, est le produit le plus vendu dans les marchés. Et plus de 60% de ces commerçants ont au moins 10 ans d'expérience dans le métier. Les plus récents achats de la majorité des représentants ont été effectués dans le département de l'Ouest. Et parmi les représentants, 72% ont révélé qu'il leur est arrivé de s'approvisionner ailleurs que dans leur lieu habituel. De même, 52% d'entre eux ont eu à écouler leurs marchandises dans des sites différents de leur emplacement traditionnel. L'aggravation des troubles sociopolitiques a certainement eu des effets néfastes sur le fonctionnement de leurs activités. Parmi ces effets, on peut citer la diminution de leur nombre de voyages. En effet, avant le début des troubles, les Madame Sarah pouvaient généralement voyager entre 3 et 5 fois par semaine. Certains voyageaient même tous les jours. Toutefois, 80% des Madame Sarah ont avoué que durant la période de crise, depuis janvier 2023, on va dire, le nombre de leurs voyages hebdomadaires ne dépasse pas trois. Autre effet négatif, on peut dire l'obligation pour eux de s'approvisionner ailleurs que leur lieu habituel et de s'approvisionner et d'écouler leurs marchandises. En effet, les résultats de l'enquête révèlent que 18 sur 25 répondants, soit 72%, ont été contraints de s'établir dans un nouveau point de vente. De plus, 14 d'entre eux, soit 56%, ont changé leur lieu d'approvisionnement en raison de l'insécurité. Autre effet qu'on peut citer, c'est la rareté et même la non-disponibilité de certains produits. En fait, l'occupation de certaines régions par les bandes armées a été à la base non seulement de la réduction des espaces cultivables, mais aussi à la difficulté d'écouler les produits dans différentes zones du pays. Cette situation s'est traduite par une diminution de l'offre nationale des produits alimentaires, ce qui a normalement engendré une hausse des prix et par conséquent une baisse au niveau des ventes. Et en dernier lieu, nous avons répertorié des cas de violence, de viol et de rançonnage subis lors des voyages.
À cet effet, près d'un tiers des représentants des Madassara du département de l'Ouest a déjà été agressé par des hommes armés, dont 12% ont été agressés en janvier et juin 2024 et 20% au cours de l'année 2023. En outre, même si certains de ces représentants n'ont pas été personnellement agressés, ils disent qu'ils connaissent au moins un marchand ou bien une connaissance, un membre de la famille qui a été agressé pendant cette même période, dont 64% au cours des 6 mois précédant l'enquête, c'est-à-dire de janvier à juin 2024, et 20% au cours de l'année 2023. En ce qui a trait à l'inclusion financière, le tableau... J'ai écrit si contre, bon, si avant, si vous permettez de le dire comme ça, nous permet de constater qu'un seul des participants à l'enquête rapporte ne pas avoir de compte bancaire ni de compte mon cash. Et, 88% ont indiqué posséder un compte mon cash et 68% un compte bancaire. Donc, plus de la moitié d'entre eux disent avoir les deux comptes. Un compte bancaire et un compte mon cash. Concernant leur situation d'endettement, les résultats de l'enquête montrent que 56% des répondants ont contracté des dettes. On peut avoir une slide, s'il vous plaît. OK. La provenance de cet endettement est principalement la tontine, communément appelée sol en Haïti, les prêts usuraires ou poya, les prêts auprès des institutions de microcrédit, les avances d'un membre de leur famille et en dernier lieu des achats qu'ils font à crédit. La moitié des répondants qui sont en situation d'endettement disent qu'ils font actuellement face à des difficultés pour honorer leur crédit. Sur ce, je repasse la parole à ma collègue qui viendra avec les mots de la fin ainsi que les recommandations. Merci, Madame Léande. Après, Madame Léande finit parlez-nous de résultats d'enquête. Qui ça nous a retenu? Nous avons retenu que Madame Sarayo, c'est un groupe qui plus souffre de situation délétère que nous vivons, situation et sécurité que nous vivons. Donc, conditions qui détériorent, passent des impacts sur l'économie haïtienne, notamment et sous inflation. Donc, comme nous avons dit à l'heure, le groupe ça composé de 80% de femmes qui sont victimes d'agressions, extorsions, pertes financières qui empêchent de répondre à obligations gagnées. Si prêt au fait dans microcrédit pour y aller au prend. Donc dans cas ça nous est que contrat qui lié tant que la blocage route tout comme y a payé pour sortir d'un point en l'autre bail en pile et problème et augmenter coût pour yo tant que prix d'arrêt yo sont acheter. Donc prix ça autour yo vinn obligé répercuter li sur nous même qu'a manger qu'a acheter produit ça yo au final et ça tout fin générer en intensification de l'inflation que nous vivons. Donc, dans le groupe de discussion que nous avons fait, nous avons trouvé que 90% des participants ont confirmé en effet que toute priorité a augmenté, surtout du riz, poids avec sucre que nous connaissons consommer en pile en Haïti. Commerçants ont tout été obligés, dans certains côtés, de localiser. Surtout, nous connaissons que quoi des Botsalan, il est obligé de fuir, il est obligé de quitter. Donc, il n'y a pas vraiment bon espace vraiment pour dire avant nous avons joué toute marchandise et éparpillé. Nous avons remarqué ça, il est monté sur la lune, il est monté dans le bois Vernard. Donc, ça a tout un impact sur la situation à vivre, ça a un impact sur le commerce à faire. Le fait que dans le bois, il y a même des clients qui sont habitués à acheter dans le bois, il y a un impact qui très négatif sur le revenu et capacité aux gens pour rembourser les dettes qui ont été contractées, alors que déjà ils ont des problèmes pour joindre crédit dans la société. Donc, plus de 80% de ces répondants ont aussi signalé des difficultés d'approvisionnement,
menaçant la sécurité alimentaire. Nous connaissons déjà nous avons des problèmes dans la sécurité alimentaire. Là, grand pile monde qui a souffert, qui pas qu'à jeune manger vraiment. Donc ça vient mettre un clou, son abcès sous clou pour par rapport avec problème ça que nous avons confronté dans l'économie. Donc par rapport avec importance groupe ça, par rapport avec rôle yo joué dans l'économie, pour Banque Centrale, river comprendre impact activité, impact insécurité à son activité et permettre et essayer de mettre en lumière aussi groupe ça qui yo pas vraiment connu, mettre en lumière, montrer importance dans la société. C'est important pour nous et surtout l'idée de permettre nous tout comprendre comment prio processus for, et comme tu as dit ça processus formation prio fait, c'est-à-dire que nous connaissons que normalement prio inflation tout c'est prio c'est dans coup là c'est rencontre et demande là avec offre qui détermine, mais en Haïti surtout par rapport à ça n'a vivre là c'est pas vraiment ça, c'est pas règle ça qui est respecté parce qu'il y a l'autre bagaille qui fait distorsion dans l'économie hein. Donc coup ça est au supplémentaire ça que madame Sarah a subi hein, il a remetté sous prio d'acheter et fin fait que nous-mêmes nous venons acheter plus cher manger de qu'on acheter longtemps yo. Donc en conclusion on peut dire que les madame Sarah représentent l'un des piliers de l'économie haïtienne. Leur protection doit être une priorité nationale pour préserver la stabilité macroéconomique. Donc il s'avère nécessaire d'initier des réflexions profondes et d'adopter des mesures devant amener à leur pleine intégration dans le secteur formel tout en garantissant leur sécurité physique. N'a profité moment pour nous remercier encore Ramsa qui était malgré tout problème de déplacement et autres qui était vraiment disponible pour permettre de réaliser enquête ça. Merci monsieur Serrin, je vous repasse la parole. C'est donc un grand plaisir que nous avons pour l'émission pour nous. Comme chaque samedi, nous remercions. Nous, à samedi prochain.